Hello, c'est parti pour la petite ACC du jour. Alors, j'ai des chutes de ce fameux bloc que tout le monde adore. La petite ACC est ici. Voilà. Alors, comme j'ai fait des créas avec ce bloc-là, bah, je me suis dit là que j'allais prendre les chutes. Enfin, c'est quand même des très jolies chutes, hein, pour faire quelque chose. J'adore ça, là. Donc ça, j'ai vu, ça rentre bien. En plein milieu de la CC, le plus compliqué, ça va être de faire l'intérieur. Ah, j'ai oublié mon scalpel. Alors, attendez, je reviens. Il est dans le salon. Oui, j'ai ouvert un colis et du coup, mon scalpel, je l'avais emmené pour ouvrir mon colis. Allez, je m'assois ici parce que j'étais debout tout de suite et ce qu'on va venir faire. C'est qu'on va venir détourer de l'intérieur ce fameux rond. Voilà. Mais c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai été un petit peu dérangée par un petit chat blanc. Oh, si, ça va. Ce scalpel là, franchement, il découpe vraiment bien. En fait, il faut essayer de faire en une seule fois, mais c'est compliqué. Parce que sinon, vous allez avoir, vous savez, les petits à-coups là, à chaque fois. C'est comme quand on fait avec la paire de ciseaux. C'est que si on, vous savez, quand on coupe comme ça là, ça fait des hachures et c'est pas forcément toujours très joli. Passer un petit coup. Voilà. Nickel. Ah, un petit bout là. Allez, hop, va-t'en, je veux pas de toi. Je ne veux pas de toi, petit bout. Alors, ma carte est ici. J'ai envie vraiment d'utiliser ça. Mais parce qu'en fait, c'était plus facile à l'intérieur pour le détourer. C'était plus facile que là, puisque là, il y a des petites fleurs et tout. Ça aurait été galère. Bon, allez, on arrache. Bah, j'ai mal arraché. Bon, bah, écoutez, tant pis. On va suivre le mouvement qu'il a pris tout seul, le truc là. Oh, bah, ça va. Ça va. Et en plus, regardez, c'est la bonne taille. Pile poil. Alors, j'avais pas fait vraiment attention à ça, mais c'est pile poil la bonne taille. On va prendre des roses. Des roses de roses. Attendez, non, on va faire autre chose. On va mettre ça ici. Ouais, je vais mettre ça ici. Par contre, là, je ne vais pas déchirer ça. Ça, je vais venir le coller à cet endroit-là. Voilà. Bim. Alors j'avais ramené mon papier miroir, mais je pense pas que je vais l'utiliser finalement. Attendez, hop, ça. Faut que je mette un peu moins. Parce qu'en fait, je veux pas que ça qu'on le voit dans le rond. Voilà. Ici, c'est nickel. Je vais venir enlever. Le surplus. Tac. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bim, pardon pour les oreilles. Donc, nous avons ça. On va venir mettre ça par-dessus. Voilà. Mais, je voudrais. Ah, voilà, ça c'est là. Je voudrais mettre quelque chose à l'intérieur. J'essaye de délimiter là mon contour sans forcément faire tout le rond parce qu'après ça va trop se voir. Et j'ai sorti
Non, c'était pas celui-là que je voulais. C'était celui-là, je crois. Oh non, c'était celui-là. Hop. Alors, ce sont des roses. Des roses, des roses, des roses. Et j'ai l'intention d'en mettre plein l'intérieur du rond. Alors, ici, alors ceux-là, ils sont prédécoupés, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Ouais, oui, c'est top. Plus, la dernière fois, c'est pareil. J'ai dit, ah, c'est génial, ils sont prédécoupés. Et au final, j'arrivais pas à l'attraper. Il faut peut-être avoir un peu plus de patience. Peut-être. Peut-être. Hein. Là, je l'ai replié sur lui-même. Bravo. Voilà. Je vais en mettre encore un autre. Voilà. Et j'ai vu qu'on avait une grosse, voilà, une grosse fleur à l'unité comme ça là, que je vais mettre par-dessus toute. Je vais essayer, ça se trouve ça va faire moche, hein. Ça fait moche, je recouvre tout et puis je fais autrement, hein. C'est pas grave. Je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Ah, je suis sûre que je vais y arriver. Ah bah non, mais je sais pas si vous, si ça vous énerve aussi, hein. Et encore là, elles sont prédécoupées. Hein. Voilà. Donc, un amalgame de fleurs. Et on va venir. Voilà. Vous voyez, ça fait un effet de profondeur, on va dire. Je vais attraper mon encre. Hein, ça faisait longtemps. Et pour qu'on voit mieux la délimitation entre les deux papiers, je viens ancrer, mais vraiment j'appuie beaucoup sur sur la couleur, quoi. Voilà, ça je vais venir le placer. Donc on met de la colle partout. Alors, faut en mettre sur les bords, mais pas trop près du bord non plus, parce que bien souvent, ça déborde. Donc, faut en mettre sans trop en mettre, en fait. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre des étiquettes. Lesquelles? Alors là, je ne sais pas encore. Peut-être celui dans ce... Dans ce bloc, c'est des étiquettes assez botaniques. Et du coup, ça va pas faire trop charger. Alors, le rond est magnifique, hein, mais je voudrais pas le laisser non plus trop apparent. Là, il y en a du rose. Oh, c'est joli ça. Vous voyez, je pourrais carrément... planqué, j'allais dire, cacher la moitié de... Ah, celui-là est beau. Cette étiquette-là, j'aime beaucoup. Alors, je vais, par contre, je vais déchirer le côté. Je viens bien... Alors, moi, j'encre beaucoup. Hein. Des fois, j'ai pas envie que ça se voit trop, mais là, pour casser le côté un peu trop propre, on va dire, de la carte, j'en mets beaucoup. Vous voyez, je fais exprès, hein. Là, je fais exprès d'en mettre beaucoup. Hein. Quand je m'applique, je peux très bien en mettre beaucoup moins. Hein. C'est pas parce que... Voilà, donc ça, je vais venir... Ah oui, mais ça fait un peu beaucoup, là. Ouais, je vais enlever une petite épaisseur, quand même.
Ouais, ça sera mieux. Parce que ça me paraissait quand même, je cachais un peu trop. Hop là. Un peu trop. Ou alors je le mets dans... Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, je vais venir le placer comme ça en plein milieu. En plein milieu, non, légèrement en bas à gauche. Voilà. Donc, je viens le placer là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Je voudrais mettre un truc en longueur. Qu'est-ce que je pourrais mettre en longueur? Dites-moi. Alors j'ai ça. Ah, j'ai mes petites fées. Je vais mettre mes petites fées ce soir. Ah bah oui, je vais mettre des petites fées là-dessus. Ah oui. Ah oui. Donc là, il me semble que j'ai... Voilà. Ça. Ouais, mais ça c'était pas en longueur comme ça. C'est pas grave, je vais le mettre comme ça quand même. Je change d'avis hein, tout le temps, moi, dans mes trucs. Hein. Je veux du comme si, mais si je trouve du comme ça, c'est bien aussi. Hop. Voilà. Donc ça, pardon. Je vais le mettre un petit peu en décalé comme ça. Voilà, hop. Alors, c'est des fois c'est un petit peu contrariant parce qu'on fait des fonds et on cache un peu la moitié. Mais moi j'aime bien laisser quand même apparaître ce que j'ai fait de base, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Très joli tout ça. Hein, très joli. Oh, les petites. Ah, c'est bien ça aussi. Tout est bien. Ça, c'est quoi là? Ça aussi, c'est joli. Ouais, après, non, ça fait trop, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça risque de faire trop. Bon. Allez, on va se calmer. Et là, il y a quoi? C'est mes petites fées. Alors, laquelle je vais prendre? Je vais essayer d'en trouver une grande qu'on voit bien quand même. Oh, elles sont trop mignonnes. Ah ouais, ça va faire trop beau. Ça va faire trop beau. Celle-ci. Celle-là, elle est belle aussi. Ah, une aile. Oh, bah, je vais prendre celle-là avec ses oreilles d'elfe. Adieu, vendu tout de suite, coup de cœur. Je vais pas chercher plus loin. Elle est trop belle. Et vous voyez, j'ai mis la grande fleur en dessous. Bah, ça sert à rien puisque je l'ai cachée. Hein. Mais bon. C'est le problème quand on sait pas ce qu'on fait. Quand on sait pas où on va, surtout. Hop. Ah ouais, regardez ces oreilles d'elfe. Alors du coup, ça m'enlève tout mon... Allez, on va le mettre là. Voilà. On la voit sans la voir. C'est pas mal quand même. Oui, j'allais la mettre d'un côté, puis au dernier moment, je la mets de l'autre. Ça, c'est tout moi. Voilà, et là je voudrais une. Je vais rajouter une fleur quand même. Bon, celle-ci, elle est toute seule. On va prendre celle-ci. Ou pas. Ouais, je comprends pourquoi elle est restée là. C'est parce que j'ai pas dû réussir à la choper. C'est pas grave, je vais y arriver quand même, hein.
Ah bah voilà. Donc ça, je vais venir la mettre ici. Vous voyez? Et j'enlève le surplus, comme d'hab. Bim. Ça, je viens le placer là. L'air de rien. Hop, des petites fleurs et des petites fleurs. Et là, c'est vraiment une toute petite fleur. Hein. Une toute petite fleur, on va les mettre là. Et ben, elle est très jolie, ma carte. Très, très jolie. Donc, nous sommes le 9 avril. Ben, c'est bon. Je crois que c'est bon. Attendez. Oui, c'est ça. Nous sommes le 9 avril, donc je vais le mettre ici. Tac. Alors, elle est pas belle ma carte. Alors, donc j'ai mis la date, j'ai mis le machin. Je vais quand même ancrer mon contour. Ouais. Quand même, quand même. Et voilà. Je l'aime bien. Je l'aime bien celle-ci. Les petites fées là, elles sont superbes. Tac tac tac. Mon carnet est ici. Bim bam boum. Avril. 8 avril. Je suis pas sûre que vous l'ayez vu cette carte. Je crois que je l'ai effacée, hein, celle-là. Ça c'est hier, ça c'est aujourd'hui. Mais je suis pas sûre que vous l'ayez vu celle-là. Je crois pas que je l'ai publiée. Bon, c'est pas grave. Hop. Très féerique, très jolie, très mignonne. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Comme d'hab, moi, j'aime beaucoup. Allez, c'est l'heure des bisous. À très vite. Et merci d'avoir regardé. Ciao.